Des moins 23 en 2009, monsieur Thomas Bauck, s'il vous plaît, venez vous retrouver. Pour nos athlètes internationaux du team EDF, ils ont fait participation au JO de 2004 et au championnat du monde en 2009. Je demandais la Fédération française de canoë kayak, la Fédération française des sociétés d'aviron et avec notre partenaire, le Comité national olympique. C'était pour nous important de faire partager avec le public parisien ces sports qui sont des très grands sports olympiques, qui d'ailleurs ont remporté... Voilà, nos amis de l'aviron, on prend bien sûr toutes les équipes aussi de canoë-kayak ou les kayakistes, mais c'est ici et donc le drama pour l'aviron. Encore bravo et merci aux deux fédérations, française. J'ai décidé l'aviron et fédération française de canoë-kayak. Et puis j'aurai des consultants passage parce que c'est vrai qu'il nous apporte énormément de soutien pour développer cette méthode avec des outils donc qui traitent bien évidemment à la sécurité, à l'environnement, pour sécuriser les lieux de pratique, pour essayer d'avoir vraiment une démarche de responsabilisation.